Okay, so we are going to the point. Just to share with you our preliminary results of the three seasons of excavations. Okay, the mic is tricky. So one more time, the same map showing the situation of the region of Volubilis. There are much more sites identified as the watchtowers, as I said during the first presentation, but we had to concentrate on some ideas and some parts, so we had to start with some places. That's why we have choose the site TFP1, which is QC2 El Melali, and QC165, which is Zegota. The first site, El Melali, was described by Châtelain, as I mentioned before, by the Daran mission, and it was the site which looked very promising because of the I can say the large quantities of the pottery, of the potsherds, which we have found during the field surveys, as well as the mission Cebu have discovered several fragments of the pottery and the other missions. And the location situation of the site was very promising, which was probably placed on the uphill, just beside the ancient road leading to the south. So as you can see on the plan, we have a very interesting situation. There is some shape which gave us an idea of the larger, bigger construction than just the watchtower. So just to be on the safe side, we have decided to open three trenches on El Melali site to find out what we are dealing with. We had the satellite picture with this oval shape in this part of the site. So we have decided to concentrate our works in this part, but we have opened also two additional trenches. So what we have done during the two seasons, you can see on this short movie, the rectangular construction with the proper Roman masonry with three well-preserved angles with the huge blocks which have survived for sure the activity of the local people since the late antiquity, and the corner, the angle number 4, which collapsed. So you can see that on the movie, slowly going, which collapsed, which can explain why we have discovered relatively small quantities of the archaeological artifacts, which I will explain also later on. That's the full plan of the site. We have these three angles and the fourth one, which collapsed, a part of the street which was surrounding partially the site. This Melali Hill is full of small caves, which were created by the natural process. So we believe that the Romans didn't realize that under the ground there is some small cave which was was created naturally. And after some period of using the watchtower, it collapsed. So they have to move the tower to the other place, but we don't know where. So relatively thin layers of the utility parts of the Roman layers didn't give us too much material. But what we have discovered gave us some idea about the datation of the site, which is not of course true. Some remains of the stairs with the place where we have found the remains of the amphoras,
nice fragments of Terra Sigillata as well. And the profile is showing the good works of the Roman soldiers with a good placing the tower in the site. Some small finds with possible singulum decorations, spearhead. We have discovered some nails from the Roman military sandals, large quantities of the metal parts, the plumb, which was destroyed. So that gave us some possibility to think that we are in the Roman military site. That was the trench number three, or all this tower. And the trenches number one and two are very strange, with mostly the discovery of the stones in different shapes, which cannot be connected with the watchtower. This is a completely different structure, bigger than the watchtower, and we do not understand until now what we are dealing with. Some theories about some pre-Roman Mauritanian military construction because of the lack of the Roman ceramic, or perhaps the Roman construction which was destroyed by the local inhabitants after the period of the Roman occupation. Perhaps it's some previous military post, we don't know. And because of the teeny budget of our mission, we were able to excavate just 2 weeks every year. So we are not able to extend the excavation to answer the question, what kind of construction we are dealing with in this part of the site. The architecture and the construction of the walls are similar to the known military structures from the other parts of the province, like the biggest one, Fort Tamuzida, like Ain Shkur, like Tamuda or Tokolozida. The small finds can confirm the military function of the site. There are some difficulties with chronology because of the relatively small quantities of the artifacts. What we have, like the spearhead, is not very well datable because we need to wait for the process of cleaning this metal, which is very bad condition. We have some sudden collapse of the structure, which can confirm why we don't have so many pottery as on the other sites and around, like in the Fort Tokolozida and Shkur. Even on the ground, on the surface, we have dozens of thousands of pottery, like we have discovered in the missions in Crimea, in the sites, much more pottery should be found in this site, and different unknown structures, structure beside, which have to wait for the other project, I think. And the second, QC165, which we call Zegota, from the southernmost to the northernmost station, which we believe is also the watchtower, and with some points between, with some points between, that will give us some idea about one part of the valley of the Volubilis. The site which we started to excavate last season is situated like 15 kilometers north from Volubilis, with very good visibility to the east, north, and west, but not the best visibility to the south. But as we believe, it should be supported by the other sites between El Melali and Zegota. During the first season, we have decided to open four big trenches. And the topographical situation is also, we can say, clear. We have opened first four trenches, then we had to add another one. And we have
some interesting situation with the remains of stone structures. We are not sure what we are dealing with. We believe this is as well the Roman watchtower, but if so, as we believe, for sure different type than El Melali, and with the different chronology, as Natalie mentioned, we have different situation with the pottery in Zagota. Some fragments of the walls are visible in this part of the site. This wall perhaps was surrounding the site. In the middle, so far we have discovered just few fragments of the pottery. And there is very interesting situation in this northern trenches with some small wall, the same constructed with the same method as El Melali. So we can say that this is the only Roman wall discovered on the site. Some huge blocks at this part of the site, and the other remains of the destroyed wall, or maybe something else, which was surrounding the site, as we can say from the first season of the excavation. There's a question: if we are excavating the Roman watchtower, or maybe some kind of tumulus, but because we have not found any human bones remains, so we don't think that we are excavating the tumulus. There are some close pictures of the trenches, just showing the remains of the structures, like in the trench number 4, have some shape. We believe the wall. The trenches 5 and 6 are the most interesting so far, with this small Roman wall, some huge blocks, with the other part of the destroyed wall, and the huge numbers of amphoras discovered in this trench number 6. Several fragments of sigillata was discovered. That's interesting, but we don't know yet what that does it mean. Relatively good quality of the sigillata that can confirm the close relations of this site with the fort Ein Schur, which is the closest fort from the site Zagota. There are some analogies with the other parts of the Roman Empire, with the Scottish part of the border, in the Gask frontier. There are the structures similar to what we have working in Zagota. There are some earthen or stone on the mud constructions, and we believe that might be almost the same kind of the military post in Zagota as in Gask frontier, but we have to extend our excavation, as we are planning to move to Morocco in this season to start the second season in Zagota, which, as we believe, will give us the answer about the main question: if we are dealing with, if we are working in the Roman watchtower. So the preliminary results: the site is located on an elevated, exposed location, perfect for the construction of the Roman watchtower. We don't have too many discoveries in the interior of the structures. We can say something about the external structures, probably the strongly destroyed wall, fragment of the interior wall typical from the of the Roman architecture, was constructed, but we don't know for what reason and for what part of the building. No specific artifact can be associated with the presence of the Roman army. We don't have any metal findings. We have some
terra sigillata ceramic fragments, and melted lead, which suggests that there was some phase which can dating back to the Roman period. As I said, we cannot confirm that we are dealing with the Roman watchtower, but we believe so. And as I showed you the analogies with the Gascrete frontier in Britain, it can be the structure like that, or even unknown different kind of construction. And that's all. Thank you very much. The last one picture showing the panorama from Volubilis. Je n'ai pas grand chose à ajouter à ce que Matic a dit. Je crois qu'il a très bien résumé le résumé de nos travaux préliminaires. Nous avons en effet fouillé le Mellali, partie de la tour du Zegota, mais nos fouilles ne répondent pas à toutes les questions que posent toutes les fouilles. Au Mellali, ça a été mentionné par Matic, les prospections antérieures ont toutes émis comme hypothèse que le site était un fort important, un grand rectangle avec une tour dans sa partie ouest. Nos fouilles ont un peu répondu à la question, c'est-à-dire que il s'agit non pas d'un grand fort comme ça a été supposé par tous les prédécesseurs, mais de deux bâtiments. Un bâtiment d'époque probablement maurétanienne, ça a été dit dans l'étude du matériel, représenté par du matériel d'époque maurétanienne, avec les Dressels 1, la céramique italique qui, au Maroc, normalement, est antérieure à l'époque, à 40 après Jésus-Christ, donc antérieure à l'époque romaine. Donc, nous aurions un bâtiment fait de gros blocs taillés d'époque maurétanienne. On ne sait pas à quoi ça correspond. C'est très possible que ça corresponde à un bâtiment militaire d'époque maurétanienne, parce que la ville de Volubilis existait et elle avait peut-être une défense, et ce serait une bonne chose, et donc une nouvelle orientation des recherches dans la recherche du système défensif antérieur à l'époque romaine. À côté de ce bâtiment, nous avons une tour qui est la tour la plus connue, d'ailleurs c'est la plus visitée par les archéologues avant nous, et qu'on croyait être très importante, et qui se révélait être une petite tour, 5 mètres environ sur 5 mètres, hauteur, c'est probablement dans les 8 mètres de hauteur, ça peut aller jusqu'à 10, mais bon, on n'en sait rien. Et c'est tout, avec une voie de circulation autour. Je laisserai Leïla parler de son architecture. C'est une tour très bien positionnée, ça a été dit par Machik, parce qu'elle domine tout le territoire de cette tribu dont j'ai parlé tout à l'heure, au sud du Limès, de la frontière de la province, mais c'est une petite tour. Donc, ce n'est pas l'architecture qui comptait, c'était la visibilité. À côté de la tour, bien sûr, il y avait le
les camps mentionnés par Machik, dont Tokolozida, qui était la plus proche et qui, elle, était, enfin, Tokolozida, je parle, donc la base de la frontière sud avec le camp d'Aïchkour et d'Ulpium ou Sidi Moussa Boufri. Pour ce qui est de la tour du Zegota, elle a la même position. C'est une tour très bien positionnée parce qu'elle domine un grand territoire à l'est, donc à l'extérieur de la province, et elle domine pratiquement les deux tiers du territoire de Volubilis à l'ouest. Était donc en contact avec beaucoup de tours de guet dont on a parlé, la vingtaine de tours de guet recensées par les différentes prospections. La chronologie de la tour, elle est, comme ça a été dit par Nathalie, c'est la fin du 1er siècle avec cette céramique hispanique qui va probablement jusqu'à la fin de la période romaine dans la région, c'est-à-dire la fin du 3e siècle. J'ajoute juste une toute petite chose, c'est que pour la tour, la première tour, le Mellali, alors cette tour, ou ce site plutôt, a une longue vie. Nous avons parlé de la période mauritanienne, probablement 1er siècle avant Jésus-Christ, même la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, l'époque romaine, probablement toute la période romaine, vu la position stratégique de la tour, mais aussi une occupation post-romaine, c'est-à-dire du 4e, 5e probablement siècle, et même jusqu'à la période almohade. Puisque nous avons trouvé du matériel d'époque islamique, dont une tombe probablement islamique, bon, indatable, mais en tout cas, il y a une occupation d'époque almohade, c'est-à-dire du 11e, 12e siècle après Jésus-Christ, ce qui montre l'importance stratégique du site aux différentes périodes, depuis l'époque mauritanienne jusqu'à l'époque islamique. Et je m'arrête là pour cette petite intervention. Peut-être que Leïla a autre chose à ajouter. Ne semble être pas très long. Je vais ajouter quelque chose, une petite chose par rapport à ce qui a été dit par mes collègues. Alors, juste en parlant du premier site de l'Italie, j'ajoute à ce qui était dit que entre le bâtiment qui est la tour carrée et à l'est de celle-ci, on trouve là où il y a la monticule à l'est, au sud-est. Non, Le non. cercle. Ah. Oui. On remarque que c'est là-bas qu'on fait notre pause déjeuner. Et ça n'a pas été fouillé, mais on remarque un matériel au-dessus du sol. Parmi ce matériel, c'est une fiche thermale. Une brique thermale, en fait. Pas une fiche, une brique. Ça veut dire que à côté de bâtiments rectangulaires de l'époque mauritanienne, dont on a découvert une série de blocs taillés qui sont peut-être des clés de voûte, en plus de la tour carrée qui est à l'ouest, peut-être qu'on a d'autres bâtiments, en tout cas d'époque romaine, peut-être des petites thermes ou quelque chose. La colline n'était pas totalement exploitée, mais faute de moyens, mais ça donne toujours des. Quoi qu'on a fini, mais c'est toujours ouvert à d'autres.
En parlant de l'architecture de la tour, la mieux connue maintenant, jusqu'à maintenant en Italie, La seule. la seule et la mieux connue, la seule fouillée et la mieux connue en Mauritanie. J'ajoute à ce qui était dit que nous sommes devant une tour d'attente de la fin ou bien des premiers siècles qui était occupée jusqu'au la fin du troisième siècle, date dans laquelle elle était évacuée la Mauritanie du Sud. La tour ou bien le bâtiment a beaucoup souffert de l'occupation, comme a été départ Omar, l'occupation tardive troisième, et qui était, était restée, elle a souffert par cette réoccupation jusqu'au l'époque Almohade, ça veut dire 11e, 12e, et par l'installation d'une série de tombes dont nous avons repéré dans nos fouilles deux tombes. Une juste à l'est, immédiatement à l'est de la tour, et une autre dans la partie ouest de celle-ci. Alors la tour, elle est un rectangle, pardon, un carré de 5 mètres de l'extérieur. À l'intérieur, les dimensions ne dépassent pas 3 mètres et demi. Elle est construite par ce qu'on appelle un blocage, ça veut dire des murs parmentés sur les faces externes et avec une farce, si on peut dire, ou bien un blocage à l'intérieur. Et les angles sont bien construits d'un chaînage d'angles bien renforcés avec des gros angles, dont une manquante, elle était détruite par une spoliation. Ça veut dire qu'on a creusé pour récupérer les matériaux dont lesquels nous avons besoin. On a laissé les trois blocs qu'on voit au sud-ouest. C'était difficile de transporter, lourd à transporter. À l'intérieur, nous avons retrouvé dans l'angle nord-ouest de la tour un seuil à mettre, laissant une entrée de 60 cm de largeur, qui appartient fort probablement à un escalier d'un mètre de profondeur. Et à l'extérieur, du côté nord de la tour, nous avons un appendice qui était rajouté dans un état postérieur à tour. Ce rajout, il est matérialisé par deux murs perpendiculaires au mur nord de la tour. Cet appendice peut être des contreforts pour renforcer la tour du côté nord, ou bien peut-être un escalier rajouté ultérieurement pour permettre d'accéder à un étage supérieur éventuel comme a été dit par Magic, du côté en angle sud-ouest, nous avons repéré un dallage fait de petits galets et pierres bien entassées qui marquent une rue ou bien de ce côté-là. C'est ce que j'ai dit, ce que j'ai à dire sur l'aspect architectural de la tour. En tout cas, fouillé pour celle de Zagouta. C'est pas encore totalement fouillé, c'est pour ça on peut pas dire je peux pas ajouter des choses à ce qui était dit. Pour le matériel qui était rarissime pour la fouille de Mellali, c'est expliqué parce que la tour elle était déjà fouillée par des missions antérieures. Nous avons fait que compléter la fouille et c'est pour ça, puisque la tour elle était beaucoup fouillée avant nous, c'est pour ça la quantité de matériel qu'on a dégagé, elle n'est pas assez.
Et merci.